Wake up, Tenno. Eh bien bonjour à tous, c'est Castelix, et on se retrouve, et oui, pour une nouvelle vidéo, et cette vidéo, vous l'attendez depuis un moment, la vidéo quiz concours. Et oui, donc du coup, comme je vous l'ai dit, le petit quiz concours arrive, va arriver juste après cette petite présentation, et aussi les petites explications qui vont suivre. Donc déjà, pour commencer, Yann58, viens vite me voir pour récupérer tes gains, parce que c'est vrai qu'on s'est croisés, on a essayé de se voir, la première fois tu n'avais pas assez de crédit, etc. Donc écoute, ils sont toujours au chaud, ils resteront toujours au chaud puisque tu les as gagnés. Je les ai déduits exprès pour toi, du coup pour te les laisser, hein. Donc viens vite les récupérer parce que je pense que tu les veux. Ça fait quand même, j'ai regardé, là ça fait à peu près 15 jours, 3 semaines que tu ne t'es pas connecté au jeu. Donc donne-moi des nouvelles pour que je puisse te les donner rapidement. Donc là je suis là jusqu'à la fin de la semaine, là cet après-midi bon je vais travailler etc. Mais on va pouvoir se voir et dimanche, essaye de me biper, dimanche je serai connecté sans problème. Voilà. Donc déjà aussi une deuxième chose pour ceux qui vont participer. D'ailleurs je tiens à dire que les PC donc évidemment vont participer. Mais également les joueurs PS4. Donc ça c'est la petite nouveauté pour ce quiz concours, vous allez être plus nombreux du coup à jouer. Donc pour participer à ce concours, je demanderai à ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne de s'abonner quand même, c'est juste le minimum que je demande. Je ne demande pas de retweeter je sais pas quoi ou voilà, donc abonnez-vous au moins à la chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Parce que voilà, bon bah c'est vrai que... Après voilà, j'essaie de faire des choses sympas, des choses assez construites. Enfin après, même si j'ai pas une grande expérience en montage vidéo, etc. J'essaie de vous faire des choses plutôt sympas. L'histoire de Vauban, bon voilà, c'était aussi plutôt pas mal. Et oui, Vauban voulait être danseur. Donc l'histoire de Vauban, bah, elle est plutôt pas mal, c'est vrai. Mais bon, ça reste limité parce que bon, bah moi j'ai pas une... Comme je vous disais, hein, J'ai pas une grande expérience en montage, en effets spéciaux, donc j'essaie de faire avec les moyens que j'ai. Et puis d'ailleurs, s'il y en a un qui souhaite me former sur du montage, ou m'expliquer des choses, ou même me faire des montages, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème, qui vienne me voir soit sur le jeu, soit sur YouTube, qui me laisse un petit message, et puis on peut en parler sans problème. Sinon... j'avais aussi une autre petite chose, c'est que le quiz, du coup, va pas être si différent que ça que l'ancien. Simplement, vous aurez toujours 10 questions. Mais là, vous aurez des petites choses en plus. Donc déjà, le quiz va être légèrement plus difficile. Donc il va falloir faire plus de recherches, plus de choses. Il va falloir que vous alliez voir si vous êtes sûr de vous par rapport à la question que je vous donne avec les réponses, etc. Ne répondez pas trop vite puisque notamment Luvios qui est très bon dans Warframe, qui connaît très bien Warframe, s'est planté sur une question et ça lui a valu qu'il a été disqualifié pour le tirage au sort par rapport à cette mauvaise réponse bête qu'il avait pu faire parce qu'il pensait que c'était automatique et puis pour lui c'était logique, mais il n'a pas cherché plus que ça. Par contre, voilà, c'est une faute d'inattention, on peut pas dire que c'est une faute, voilà, mais soyez très attentifs justement à vos réponses, relisez bien deux fois, enfin plusieurs fois, parce que relisez, en général, si tu relis, c'est que tu as déjà lu quelque chose. Non, mais oui, non, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, soyez, avant de publier votre message avec vos questions, et vos réponses, enfin surtout avec vos réponses, ne relisez bien avant si vous êtes sûr de vous. N'allez pas dire ah mince j'ai oublié ça et puis au final une fois que je serai rendu à entre guillemets à la correction, vous soyez pas dans les personnes tirées au sort puisque du coup vous aurez pas eu bon. Donc non, vérifiez vraiment à fond. Donc il y a ça. Le quiz, donc voilà, il n'est pas si compliqué que ça. Il va être un petit peu différent puisque là je vais vous faire écouter des sons. Il va falloir vous rappeler de quel est ce son. Je vais vous présenter aussi des images. Donc voilà, ce sera à vous aussi de faire des petites recherches. C'est d'autant plus ludique parce que du coup ça vous permet de dire oui, on fait un petit quiz, merci Castelix. Mais du coup,
ça nous oblige à aller chercher légèrement quand même, se rappeler de choses qu'on a peut-être oubliées. Et voilà, donc du coup, c'est pour ça que je vous ai fait un petit peu un quiz comme ça. D'ailleurs, on en fera d'autres plus tard, des quiz un petit peu plus approfondis. Là, c'est quand même le deuxième que je sors. On va l'améliorer au fur et à mesure. Donc voilà, donc après c'est Nova qui va vous dicter comme d'habitude ce petit quiz. Et oui, Nova, voilà, hein, on peut pas lutter, Nova c'est Nova. Donc voilà, donc sinon, n'hésitez pas à passer sur notre forum. J'ai ouvert un forum récemment. Là, c'est vrai que bon, j'y suis allé très peu actuellement. Mais voilà, ça nous permettrait aussi de pouvoir communiquer un petit peu plus, d'échanger aussi plus facilement. Hein, sur un forum, des fois, c'est beaucoup plus simple. Parce que moi, sur YouTube, des fois, vous me laissez des messages, je les vois pas tout de suite. Parce que c'est un peu mal foutu vis-à-vis de YouTube. Moi, je vois pas les messages que vous pouvez m'envoyer en privé. Donc, c'est pour ça. Et puis bah, voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour pour tout ça. Et puis bien écoutez, moi je vais vous laisser entre les mains de... Enfin, un peu bizarre ça, entre les mains. non mais je vais vous laisser avec Nova. Nova va vous expliquer un petit peu tout ça, va vous faire ce petit quiz, et vous aurez 10 secondes à chaque fois pour répondre aux questions. Voilà, voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce petit quiz vous plaira. J'ai oublié une petite chose aussi, ça faut pas que je l'oublie. Donc vous allez avoir jusqu'à mercredi prochain pour pouvoir faire ce quiz, donc on va dire jusqu'à 20h, à 20h je bloque mercredi, là on est mercredi 8, oui donc voilà, vous avez une bonne semaine pour pouvoir participer à ce quiz, donc mercredi prochain à 20h je bloque tout, donc si vous avez répondu à 20h30 c'est foutu, je ne le prendrai pas en compte, ça c'est sûr, ça m'est déjà arrivé hein, de voir qu'il y a des personnes qui ont quand même voté, enfin qui ont quand même mis leur réponse après la date butoir et l'heure butoir, et du coup... J'ai pas pris. Donc après, on vient me dire en privé, oui, tu m'as oublié. Alors quand je leur ressors l'historique de quand ils ont posté ça, ils me disent, bah ouais, mais bon, on n'est pas une demi-heure près. Bah oui, mais dans ces cas-là, si je suis pas une demi-heure près et qu'il y en a un qui poste à 21h, bah du coup, on est à 1h. Après, l'autre vient me dire 21h30, bah ouais, mais regarde, t'as accepté celui de 21h, pourquoi tu m'acceptes pas? Du coup, dans ces cas-là, on met 3 jours de plus. Donc non, 20h, c'est 20h, c'est comme ça, point. Voilà, l'autorité Castilix, l'autorité divine. Mais non, donc 20h, on clôture. Ensuite, moi, je vérifie qui a eu bon, qui n'a eu pas bon, pour pouvoir faire le tirage au sort. Et le tirage au sort, je sortirai la vidéo le dimanche, qui suit ce mercredi. Donc voilà, donc comme ça, ça nous laisse une bonne semaine et demie pour ce concours, ce qui est plutôt pas mal. Pour ce qui est des gagnants, et oui, donc là, il y en aura 3, et oui, 3. Donc celui qui sera en 3ème position gagnera 500 platines, ce qui est déjà top. Celui qui sera en 2ème position gagnera 1000 platines, donc ça c'est terrible, c'est super. Et le grand gagnant de ce quiz concours gagnera 1500 platines. Donc là, il pourra s'acheter ce qu'il voudra. Donc voilà, donc du coup vous avez 3000 platines au total pour 3 personnes. Justement, ça va motiver aussi à faire jouer plusieurs personnes, puisque du coup, bah, si on n'est pas premier, c'est pas grave, on peut être deuxième. Si on n'est pas deuxième, bah, on peut être troisième. Vous aurez 3 chances au lieu d'une pour pouvoir être dans les 3 gagnants. Donc voilà, donc j'espère que, comme je le disais tout à l'heure, j'espère que ce petit quiz vous plaira. Et puis bah, moi, je vous laisse tout de suite avec Nova. Je vous dis à bientôt, bonne chance, bon courage, faites attention à vos réponses. Et on se retrouve très très vite. C'était Castelix, ciao ciao. Bonjour à tous. C'est Nova, je vais vous présenter ce quiz. Comme l'a dit mon maître, il y aura 10 questions. Vous êtes prêts mes coquins? C'est parti dans 3, 2, 1, go! Question numéro 1. En combinant de la glace avec du feu, que peut-on obtenir? 1. Du corrosif, 2, du gaz, 3, de la radiation, 4, de l'explosif. Vous avez 10 secondes. Question numéro 2. Écoutez le son suivant. À qui appartient ce pouvoir ?
Nova, 2, Sarine, 3, Mag, 4, Ember, vous avez 10 secondes. Question numéro 3. De quelle faction viennent les Bursa? 1. Greener. 2. Corpus. 3. Infesté. 4. Casimir. Vous avez 10 secondes. Question numéro 4. Quelle est cette arme? 1. L'Inis. 2. Le Gorgona. 3. Le Hind. 4. Le Harpac. Vous avez 10 secondes. Question numéro 5. Que peut-on trouver comme ressources rares sur la planète Eris? 1. Neurode. 2. Cellule roquine. 3. Nanospore. 4. Morphique. Vous avez 10 secondes. Question numéro 6. Qui a fondé le trio des frères Lustag? 1. Docteur Tengus. 2. Vayek. 3. Sargasruk. 4. Capitaine Vor. 5. Aucune des réponses précédentes. Vous avez 10 secondes. Question numéro 7. Quelle est cette science, Dana? 1. La science d'Anna Sinoïde. 2. La science d'Anna Sécura. 3. La science d'Anna Sancti. 4. La science d'Anna Tello. Vous avez 10 secondes. Question numéro 8. Par qui est engagé Maro? 1. Tilrigor. 2. Lotus. 3. Jean-Claude Van Damme. 4. Aucune des réponses. Vous avez 10 secondes. Question numéro 9. Stalker a la capacité d'utiliser combien de pouvoirs? 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8. Vous avez 10 secondes. Question numéro 10. Il y a combien de syndicats sur Warframe? 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 10. Vous avez 10 secondes. Bon courage à tous. Mettez nos chéris. Moi, je m'en vais rejoindre Excalibur pour passer la soirée avec lui.
Abonnez-vous à la chaîne de mon maître. Vous êtes de plus en plus nombreux à le suivre. Que le meilleur gagne. Bisous, mes ténos chéris.